Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réflexion. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2024. Je suis encore très content et très heureux d'être devant vous pour un nouveau numéro que nous allons développer ce matin. Donc, c'est un numéro que moi, je pense qui va beaucoup plus aller dans le sens de la réflexion, comme le titre de l'émission. Pour ceux qui sont là pour la première fois et qui me regardent et qui veulent savoir qui je suis Germain Kaindo, un Mungamba, un Congolais qui vit en Afrique du Sud. Nous avons décidé de créer cette tranche justement pour apporter notre pierre à la réveil de notre conscience, nous Congolais, que le pays n'appartient pas à une seule personne, le pays appartient à tout le monde et que nous avons le droit d'apporter chacun une pierre pour la reconstruction de ce pays. Ma manière de contribuer à la reconstruction de notre pays, c'est cette tranche que j'ai créée pour réfléchir sur les solutions qui peuvent être appliquées en République démocratique du Congo. Quelles sont ces solutions-là? C'est ça le sujet, c'est ça le but de cette tranche ici, qui passe une ou deux fois par semaine. Nous venons, nous réfléchissons sur, nous développons la solution que nous ici nous avions dit que cette solution pourra être une solution salutaire pour notre pays. Quelle est cette solution-là? C'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, c'est-à-dire faire fonctionner le pays au niveau de la base de façon que la base soit vraiment le socle où est assis notre développement, notre démocratie, notre cohésion nationale et notre unité. Nous avons pensé que la façon dont le pays est configuré aujourd'hui ne permet pas justement à ce que tout le monde se connaisse. Et ainsi donc, cette tranche, nous l'avons créée pour essayer un peu d'expliciter cette idée-là de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Aujourd'hui, nous parlons de cette visite à Lusaka de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et une grande délégation qui s'est rendue à Lusaka justement pour essayer un peu de lucider, de trouver une solution pour le problème qui se trouve à l'est, qui se passe à l'est de notre pays. Ce problème-là, c'est quoi? C'est la guerre. La guerre est en train d'être le déstabilisateur de la paix à l'est dans la région des Grands Lacs. Et cela se trouve sur notre territoire. Elle est en train de se passer sur notre territoire. À maintes reprises, la solution a toujours été chercher à l'externe. Donc on va à l'extérieur, on cause avec les voisins et tous ceux qui peuvent nous aider pour trouver la solution. Aujourd'hui, encore une fois de plus, le président s'est rendu là-bas. Notre réflexion donc d'aujourd'hui va se poser sur les hic et les couacs. Pourquoi est-ce que nous nous acharnons à penser que la solution viendra d'ailleurs? Et donc, nous allons justement essayer un peu de réfléchir pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo a accepté des bons cœurs qui les regorgent en République démocratique du Congo, les FDLR, ainsi qui était un argument que toujours le Rwanda continue à mettre sur la table depuis 2013, que le FDLR qui consiste à une menace à sa sécurité, les FDLR qui sont des génocidaires de 1994, de 1974 au Rwanda, et qui sont toujours poursuivis, et que la République démocratique du Congo les héberge ici. Donc c'est cela qui va essayer un peu essayer un peu de développer ça. Et à la fin, comme d'habitude, nous donnons nos solutions, nous donnons comment est-ce que nous voyons et que comment est-ce que ce problème-là des FDLR pourra être résolu dans la solution dont nous proposons justement à Contact Pro Live Réflexion ici. Avant d'aller un peu plus loin, je vais vous demander une ou deux choses. Un, c'est de vous abonner. Deux, c'est de partager l'émission. Si vous l'aimez, laissez les commentaires. Et après cela, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre comme d'habitude
les grands titres de la, à la une des journaux, 5 journaux qui paraissent sur Internet, que nous avons choisis pour vous. Si vous avez besoin de vous informer, allez sur ces journaux-là, car elles regorgent des informations crédibles. On se retrouve donc juste après la lecture des grands titres et pour développer notre sujet d'aujourd'hui. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, c'est tête à tête entre Tshisekedi et Salva Kiir, président en exercice de la CAE et EAC. Et puis RDC, toujours plus de 200 000 cas de tuberculose recensés. Ainsi, société Sud-Kivu, construction imminente de 4 ponts sur la route Bukavu-Uvira. On va sur actualité.cd. En play-off, je n'ai pas trop aimé ce match. Sincèrement, c'est Abdallah Wabdi qui est un coach. Norubangi, utilisation controversée d'élèves dans les finitions de bâtiments à Businga. Vague de massacres dans le Nord Kivu et Ituri, près de 38 tués par les ADF en mars. Congo profond, lutte pour le perchoir de l'Assemblée nationale en RDC entre l'héritage et l'ambition. Et puis le pari risqué de Christophe Bazaé Nenanga quand la responsabilité publique se fasse devant les intérêts privés. Hygiène oubliée, le ministère des Santé de la RDC dans l'ombre. 7 sur 7. Félix Tshisekedi en Zambie pour participer au sommet de la SADC sur la sécurité et à l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa, de faux policiers arrêtés à Massina. Et puis, Assemblée nationale, le salaire des députés n'a pas été révisé à 30 000 $. Ça, c'est Jacques Njoli qui parle. On termine par Radio Okapi. La création de commissions pour résoudre les conflits Tekeyaka, c'est lundi 25 mars. Et puis, lutte contre la polio en RDC, le pays est passé de 500 000 enfants paralysés en 2022 et puis à 250 000 en 2024. Montée des eaux à Kalemi, année scolaire de 35 000 élèves perturbés. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, donc le titre d'aujourd'hui, ce qui prédomine, comme vous aviez lu, c'est justement cette visite ou bien cette participation du président de la République à ce sommet de la SADC à Luanda. Et donc c'est cela donc qui va constituer la réflexion que nous allons vous apporter aujourd'hui. Donc merci encore une fois de plus de votre confiance, d'ouvrir nos vidéos. Merci pour tous ceux qui sont en train encore de s'abonner. Merci pour la réaction et les questions que vous ne cessez de me poser. Et moi, comme je vous avais dit, je réponds souvent à toutes ces questions-là. Mais j'ai trouvé que je dois quand même faire quelque chose d'ensemble parce que les mêmes questions reviennent. Je voudrais faire une émission où je vais faire questions-réponses. Donc, je vais lire absolument les questions et puis les répondre. Mais pour cela, je vais vous demander quand même, vous qui posez les questions, de vous abonner, de partager nos émissions. Parce que je pense que l'idée de la rétrocession du pouvoir commence un peu à prendre de la mayonnaise, à être expandie. Beaucoup de gens commencent à croire effectivement que la cohésion ne viendra pas par des discours, ou bien l'unité nationale, ou bien la refondation ne viendra pas simplement d'une personne, ça viendra de tous les Congolais. Et comment le faire? C'est cela que nous expliquons ici dans Réflexion. Nous réfléchissons et nous donnons les pistes de solutions pour arriver à ces solutions-là. Parce que comment est-ce que nous allons mettre tout le monde sur la même page? C'est-à-dire, les gens vont se connaître, les gens vont apprendre à travailler ensemble, les gens vont mettre la méritocratie en avant. Comment est-ce que nous allons terminer la corruption? Tous ces bons mots qui gangrènent notre société aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous ne nous connaissons pas. Ça, c'est notre position. C'est notre feeling. Nous pensons que le mot que nous connaissons aujourd'hui vient de là. Le peuple congolais ne se connaît pas.
ils ne savent pas travailler ensemble. Le peuple congolais pense que la solution viendra d'ailleurs. Le peuple congolais pense qu'on doit tout faire pour lui. C'est ainsi que vous allez voir que le président de la République, notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a hérité aussi de ce mot-là. Au lieu maintenant de comprendre ce mot-là et commencer à les résoudre, lui, il est pratiquement en train de pérenniser cette idée-là en pensant que c'est l'Europe qui viendra construire le pays. Nous voyons beaucoup d'investisseurs européens donner leur octroyer de marché au Congo pendant que nous, les Congolais, nous sommes là, qui connaissons le travail, mais on ne nous donne pas l'opportunité de construire notre pays. Je vais extirper ces on-là en disant, nous ne nous donnons pas ces opportunités-là. Moi, je n'étais pas d'accord quand le président de la République disait que non, je veux faire des Congolais des millionnaires. Non, faisons un Congo où tout le monde va se retrouver, où il y aura un espace d'expression de ces Congolais, afin que ces Congolais, par leur travail, ils peuvent devenir des millionnaires. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'argent être distribué parmi les gens et qui se disent des millionnaires sans travail. Ça n'a pas de sens. Donc ça, ce n'était qu'une parenthèse que je voulais un peu balayer avant que nous puissions passer au vif de notre sujet qui est la réunion que le président de la République a assisté à Luanda, la réunion de la SADC. Qu'est-ce qu'il est parti faire? D'abord, ça c'est la première des questions. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Nous voyons que le président de la République est dans la démarche à ce que la SADC puisse s'impliquer à résoudre les problèmes de M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce le seul problème que nous avons au Congo? Moi, je crois que ça, c'est le premier point d'abord que moi, je pense que le président de la République a tapé à côté. Ce n'est pas simplement le M23. L'insécurité gangrène sur toute l'étendue de la République. L'insécurité, l'ingouvernabilité de notre pays, c'est ça qui cause. C'est la guerre, l'insécurité, et les corruptions, c'est une expression d'une certaine amertume ou bien désolation du peuple congolais. Le peuple congolais ne sait plus. Il y a un sens de non-organisation de l'État qui s'exprime par les gens qui commencent à en avoir marre. Ils décident de prendre les armes. Les dirigeants ne savent pas exactement où est-ce qu'ils dirigent le pays, où est-ce qu'on va amener le pays. C'est ça la résultante de tout ça. Et nous pensons, nous continuons à penser que c'est l'extérieur qui viendra nous aider. Et c'est ça le sens même que le président va se déplacer avec une délégation importante à la réunion de la SADC pour demander de l'aide afin qu'on puisse les aider à terminer cette guerre-là. À l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une bonne démarche? Écoutez maintenant ceci. Quand nous lisons le rapport de cette réunion-là, nous avions vu, je crois que vous êtes au courant, les points qui se sont entendus, notamment les points que nous allons nous concentrer là-dessus, c'est l'acceptation du Congo d'avoir sur son sol, les FDLR qui constituent une menace pour la République du Rwanda. Cette accusation n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça a commencé depuis le temps, depuis 2006-2013. De 2006 à 2013, le Rwanda a toujours dit qu'il y a des FDLR sur notre territoire qui constituent une menace pour sa sécurité. Est-ce que ces FDLR-là ont-ils déjà attaqué pendant les deux dernières décennies, entre 2006 jusqu'à aujourd'hui? Y a-t-il eu déjà des attaques des FDLR au Rwanda? Ça, c'est la question que nous devons nous poser tout le temps et que nous devons prouver à la communauté internationale que ces FDLR-là n'existent pas sur notre sol. Donc, moi, je pense que là, nous avions commis encore une bavure en acceptant devant les comités de la SADC, en acceptant que non, nous allons nous atteler à extirper ces FDLR. Pendant que nous avons une difficulté d'abord à terminer le problème d'infiltration au sein même de l'armée, mais nous avons accepté que non,
Et les FDLR devront être démantelés en République démocratique du Congo. C'est là le grand problème. Le problème, c'est cela. Et comment est-ce que nous pouvons les résoudre maintenant? Parce que nous avons maintenant l'Ikala Moto, comme on dit. Nous avons quelque chose de très chaud entre nos mains pour lesquels nous, Congolais, nous ne savons pas comment est-ce que nous pouvons se résoudre ça. Et ça vient d'où? Ça vient que l'avantage du Rwanda à avoir ce notre pays déstabilisé et profiter de notre faiblesse, de cette déstabilisation, de cet État qui n'a pas instable à exploiter nos minéraux, bon, disons entre guillemets, à profiter des Congolais qui volent, qui se volent entre eux, et ce vol-là profite justement au Rwanda parce que ils sont comme des resellers. Ils achètent chez les Rwandais, les Congolais, qui viennent leur vendre les premières matières premières et qu'eux les vendent sur le plan international. Ils en tirent des dividendes. Ça, c'est ce que nous attendons toujours. Au sein même des réseaux sociaux, de tous les Rwandais qui justifient sa présence en République démocratique du Congo en disant que ça, ce n'est pas une guerre économique. Dans une des interviews, nous avons suivi Kagame qui dit que non, ils ont des minéraux chez eux. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Mais la chose est que depuis 1994, nous ne voyons que le Rwanda est en train d'avancer sur le plan de développement. Ils s'organisent bien, ils reconstruisent leur pays, ils attirent la confiance même de la communauté internationale. Et même la communauté internationale continue à le faire confiance en lui donnant même de prêts, en voulant même envoyer des immigrants sur son sol. Le Rwanda, c'est comme un chouchou de la communauté internationale. Il est supporté à cause de quoi? À cause de l'ordre qui règne dans ce pays-là. On ne peut pas les chercher dans la dictature ou quoi que ce soit. On regarde comment est-ce que le pays se développe. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, depuis 2006, depuis 2005, après le départ de Mobutu, notre pays n'a pas développé. Nous n'avons jamais résolu des problèmes primordiaux ou bien des problèmes importants qui fait à ce que nous puissions rester encore sous l'égide comment dirais-je, la désorganisation, le désordre, le pays ne va pas. Il y a une certaine stagnation. Kabila a fait 18 ans. Tshisekedi va en faire, je sais pas, maintenant plus de 6 ans. Nous sommes à la 5e année, aujourd'hui 6e année. Et le pays n'avance pas. Nous sommes toujours en train de tourner en rond. Quel est le réel problème que nous faisons face et qui arrive à nous maintenir dans cet esclavagisme où la communauté internationale continue à nous voir comme des gens qui ne sont pas responsables? On ne nous fait pas confiance sur le plan international. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que le problème de la gestion de notre pays dans le concert des pays modernes est calamiteuse. Nous avons un pays qui n'est pas bien géré. Nous ne gérons pas bien notre pays. Notre pays continue à la descente des enfers. Il n'y a pas de construction de grandes envergures, comme de grandes autoroutes, comme nous voyons dans d'autres pays. Il n'y a rien absolument. Tandis que nous continuons à voir qu'il y a toujours la corruption qui gangrène, il y a la désorganisation, il y a le désordre qui continue à fleurir en République démocratique du Congo. C'est le pays des désordres. Beaucoup de pays nous aiment, mais lorsqu'ils arrivent au Congo, ils sont déçus. Est-ce que c'est ça le Congo? Oba Congolais, Bamiku Misaka. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la distraction. Et nous ne sommes pas conscients que ce pays devra être bâti par les Congolais. C'est toujours ailleurs. Nous allons toujours dans les grandes organisations demander de l'argent. C'est parfois le FMI. Le FMI donc financer beaucoup d'entre projets. Et ces projets-là, lorsque la communauté internationale vient investir au Congo, c'est le Congo qui perd. C'est pratiquement le Congo qui perd. Le Congo perd comment? Le Congo se perd parce que dans ces transactions-là, même si on lui donnait l'argent, l'argent n'est pas bien géré. Voilà le pourquoi que nous sommes dit,
Pourquoi est-ce que nous nous focalisons toujours à penser que c'est à l'est, c'est à l'extérieur d'où viendra la solution de notre pays? C'est ça qui continue à nous maintenir. C'est là que je dis que ça continuera à nous maintenir à genoux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le problème que maintenant Félix Tshisekedi a fait face à Lusaka là-bas? A-t-il résolu un problème? Non. Il n'a absolument rien eu. Comme que les gens qui m'ont suivi, j'ai vu beaucoup de commentaires, les gens qui m'ont suivi sur TikTok où je disais que non, Félix Azongi Maboko Pamba. C'est vrai. On lui a encore remis dans le chemin d'aller causer avec le M23. Et Félix Tshisekedi a promis à la SADC qu'il va s'atteler à trouver la solution des FDLR. Maintenant, voilà le sujet pour lequel nous allons réfléchir maintenant. Est-ce que sommes-nous capables de connaître qui est FDLR et qui ne l'est pas? Au moment où nous ne connaissons même pas qui est Congolais et qui ne l'est pas, c'est comme chercher un épingle dans le foin. Parce qu'il y a beaucoup de confusion d'abord sur le problème identitaire de notre pays. Et c'est là où je me dis, le Congo est en train d'oublier une chose. Que le malheur qui nous arrive aujourd'hui, d'une part, la communauté internationale a été responsable. Ça, je ne peux pas dire qu'il a été responsable à 80 à 50%, mais peut-être à 15%. Parce que la communauté internationale, voulant résoudre les problèmes qui se trouvaient au Rwanda pendant le génocide de 1994, a permis à ce qu'une partie des Rwandais, des Hutus, qui se battaient, de quitter le pays, à entrer en République démocratique du Congo. Et maintenant, le Congo n'étant pas organisé, nous n'avons pas su, nous ne savions pas qui est entré et qui n'est pas entré. Ces gens-là sont entrés avec les armes, ils ont entré avec tout. La communauté internationale, voulant nous aider à créer la MONUC qui s'est transformée en MONUSCO, voilà les étapes que la communauté internationale voulait se ressaisir. A-t-il réussi à résoudre le problème? Non, il n'a pas réussi. Pourquoi? La cause vient justement, encore une fois de plus, de se refléter à nous les Congolais, au Congo qui n'est pas organisé. Depuis ce temps-là,
Nous ne pouvons pas savoir combien de Congolais nous étions, pour savoir combien de Rwandais sont entrés chez nous, pour savoir qui sont ces Rwandais-là qui sont entrés chez nous. Rappelez-vous que sur notre territoire, nous avons une population rwandophone. Ainsi, ça devenait difficile de connaître qui est qui au Rwanda. Nous sommes pratiquement mélangés. Et il y a toute une certaine imbroglio. Ce n'est pas aujourd'hui que Félix va dire que non, il va résoudre le problème de FDLR. Kabila a tenté. Kabila a tenté comment? Kabila a laissé même le Rwanda, notre service de sécurité. Kabila a accepté que la force rwandaise entre en République démocratique du Congo pour aller chercher ces FDLR-là. Ces opérations n'ont jamais réussi. Pourquoi? Parce que la population rwandaise, les rwandophones qui se trouvent sur notre territoire ne sont pas distinguables. On ne peut pas dire qui est FDLR, qui ne l'est pas, parce que tous y parlent la même langue. Mais parmi eux, moi je suis sûr que ils peuvent connaître que celui-ci, c'est un Rwandais et qui est venu à telle date, à telle date, à telle date. Ils connaissent. Mais ils sont complices justement parce que ce sont leurs frères. Leurs frères, ils sont en train de se battre là-bas. Ça, c'est un problème du Rwanda entre Tutsi et Hutu. Mais les victimes, ce sont les Congolais. Nous ne pouvons pas nier que nous n'avons pas de Hutu chez nous. Nous ne pouvons pas nier que nous n'avons pas de population qui parle le Kinyarwanda chez nous. Mais cette confusion-là, nous ne l'avons jamais réussi à élucider, à savoir, à impliquer tout le monde dans l'État congolais. L'État congolais n'existe pas, c'est ça la complicité. Et ainsi donc, ça va devenir difficile à Félix Tshisekedi de dire que non, il va résoudre le problème des FDLR. Ce sont des gens qui sont sur notre territoire. Le Rwanda nous accuse par contre en disant que les FDLR sont utilisés dans le FARDC. Et nous, ça, c'est par deux fois maintenant que Félix Tshisekedi est en train d'accepter que non, le problème des FDLR, c'est un problème crucial qu'il faudrait résoudre parce que le Rwanda, ça s'en plaigne. Le Rwanda disent que les FDLR constituent un danger pour leur sécurité. Et comment les résoudre? Il faut terminer ce problème-là. Le problème ne sera terminé que si, et seulement si, le Congo en interne est organisé et peut savoir qui sont ceux qui. L'exemple typique que les Rwandais exhibent en disant « Voici, nous avons une population, nous avons des camps de réfugiés, des Congolais sur notre sol rwandaise. Ces Congolais sont en train d'être exterminés au Congo. » Les Rwandais clament toujours là sur la communauté internationale qu'il y a génocide au Congo. Et nous, Bouzo Bandenge Tozala, qui nous avons repris en disant qu'on tue au Congo, qui tue qui au Congo? Et c'est pour cela que quand je justifie, quand je dis aux gens que non, moi, quand j'ai compris que non, il n'y a pas génocide, c'est une guerre qui est entre Hutu et Tutsi du Rwanda qui se déroule sur notre territoire. Moi, je ne peux pas comprendre chez nous. Les génocides rwandaises continuent parce que ce sont les populations rwandaises qui sont en train d'être massacrées. Et ainsi, les Rwandais disent que non, ce sont ces FDLR-là qui ont été recrutés dans le FARDC, qui continuent à faire le massacre. C'est pour cela qu'ils hébergent chez eux un camp de réfugiés qu'ils appellent des Congolais rwandophones. Ils disent que ces gens-là ne sont pas des Rwandais, mais ce sont des Congolais. Et que ce problème-là devra être résolu. Ces gens-là réclament de rentrer chez eux. Le problème devient de plus en plus complexe parce que nous, au Congo, nous n'arrivons pas à maîtriser notre population. Moi, je vous parle tout simplement un peu en bref, mais je crois que dans les émissions un peu live, comme nous faisons chaque samedi, lorsque nous allons revenir, nous allons à expliquer cela. Mais par contre, ici, pour terminer, qu'est-ce que nous devons retenir? Quelle est la solution que nous proposons et que nous développons ici qui peut éliciter ce problème-là et éviter à ce que Félix Tshisekedi puisse continuer à aller au Rwanda, à aller sur la communauté internationale, à commettre des erreurs qu'il continue à commettre maintenant? Normalement, nous ne pouvions pas accepter que non, il y a des FDLR au sein même sur notre territoire. Parce que cela fait 30 ans et que nous avons des arguments. Kabila a laissé l'armée rwandaise. Nous avons les services de sécurité. Il faudrait d'abord que nous puissions reconnaître que le Rwanda a ses hommes dans notre territoire qui fonctionnent, qui travaillent pour le Rwanda. Et ce sont là ces gens-là que nous appelons les infiltrés, qui travaillent pour Kagame.
pour surveiller justement le mouvement des FDLR. C'est ça que nous devons d'abord, ça ce sont les arguments. Et faudrait-il encore les connaître, les dénombrer, savoir ils sont combien? Parce que le Congo, c'est un océan des inconnus. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas de solution. Il y a plusieurs inconnus que moi je pense que Félix ne devrait pas, ne connaîtra jamais la solution. Alors qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons ceci, que nous ne devons pas penser d'abord que le problème du Congo trouvera la solution à l'extérieur. Ça, c'est de un. Le deux, nous devons nous réorganiser, refonder le Congo qui sera bâti sur des valeurs. Les valeurs, c'est quoi que j'appelle ici? Les valeurs ancestrales, les valeurs de ceux qui ont les droits. Et ceux qui sont, ont les droits sont définis dans l'article 10. Qui est Congolais et qui ne l'est pas? Commençons d'abord à résoudre ce problème de qui est Congolais, qui ne l'est pas, pour savoir effectivement les FDLR sont qui, ils vivent où, ils font quoi, ceux-là qui ne seront pas repris sur la liste, qui n'auront pas droit à une carte d'identité congolaise, ce sont ces gens-là que nous mettrons, nous allons commencer maintenant à contrôler et savoir. Et peut-être maintenant demander aux Rwandais de venir voir dans cette population s'il y a ces gens-là qui sont des génocidaires ou pas. Et ça, c'est une longue procédure. Mais le commencement devra être fait au niveau même du Congo, au niveau même de la gestion même de la République démocratique du Congo. C'est par là que nous prenons ce que nous appelons ici les états de lieu de chaque territoire où nous allons proclamer un nouveau Congo avec une nouvelle constitution, avec une nouvelle administration qui sera basée, donc qui sera, donc s'appuiera sur la base, c'est-à-dire les territoires. Pourquoi les territoires? Parce que dans les territoires, les gens se connaissent. Et moi, je suis sûr que même dans ce territoire-là, où il y a des territoires là à problème, Rutshuru, Nyiragongo, dans l'est de la République démocratique du Congo, à Fizi là-bas, où il y a les Moulengo, ou bien dans les Uvira, les gens se connaissent. On sait qui peut, qui était quoi et il était quand. Ces gens-là peuvent dénombrer. Alors, nous nous sommes dit, ces gens-là doivent se mettre d'accord en se disant, nous allons refonder le Congo. Et nous pensons que la sécurité devra être. Parce que lorsque ces gens-là, lorsque nous appellerons les états de lieu de chaque territoire, ils devront être, avoir deux missions. Faire les états, une ébauche d'une nouvelle constitution qui rétrocédera le pouvoir au niveau de la base. Il y a certaines matières qui seront pratiquement traitées au niveau des territoires et certaines matières-là, d'autres matières seront traitées au niveau des provinces, d'autres matières seront traitées au niveau national. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de venir avec des idées en disant, en enrichissant justement cette idée. C'est, moi, je me dis merci beaucoup parce que effectivement, cette idée commence à prendre de la mayonnaise, ça commence à avoir beaucoup plus d'impact. Vous pouvez même vous-même regarder comment est-ce que cette mission qui était une mission d'élite commence à prendre beaucoup de d'ampleur. Beaucoup de gens commencent à me suivre et même vos réactions. C'est pour cela que j'ai dit au début que il va me falloir à ce que nous puissions faire une question, une émission question-réponse. Je le ferai, ne vous en faites pas, parce que beaucoup de gens me l'ont demandé. Ah donc, qui peut faire ça? Nous pensons que le président de la République est la personne la mieux placée aujourd'hui à lancer ce que nous appelons les états de lieu de chaque territoire. Je disais qu'ils auront deux missions. La première mission, c'est l'identification de la population et la signature d'un accord, d'un traité de paix entre les territoires, entre les tribus qui habitent les territoires. Ils doivent signer des traités de paix entre eux en disant que ceci ne se répétera pas. Ce qui se passe dans les Ituri, par exemple, c'est dans les zones où il y a des groupes armés. Ces gens-là doivent. Nous devons nous prendre en charge en disant ça ne doit plus se répéter. Nous devons mettre de l'ordre sur le plan économique. L'économie doit bénéficier pour tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire de deux ou trois personnes. Ce n'est pas l'affaire de Kinshasa. Et ça, cette réflexion-là devra être faite par les Congolais au niveau des états de lieu de chaque territoire. À proposer une résolution en disant. Nous, les populations d'ici, par exemple, dans ces territoires, constituées de 4 ou 5 tribus
qui vivent dans ce territoire, nous nous résolvons à ne plus faire ceci, personne ne prendra les armes. Comme ça, tous ceux qui ont pris les armes pourront peut-être être identifiés et intégrés dans une force que nous appellerons les polices de proximité avant la création d'une armée nationale. Voilà le chemin que nous sommes en train de nous dire qu'il faut y aller. Nous ne pouvons pas y aller vaille que. Lorsque nous allons mettre les gens sur la table en disant réfléchissez comment est-ce que quelle est la nouvelle de constitution que vous pensez qu'un nouveau Congo peut avoir. Et les gens vont s'exprimer, les gens vont dire ce qu'ils veulent, les gens vont donner leur appréciation. Et c'est par là que je vous dis que une nouvelle classe politique pourra être créée. Pourquoi? Parce que les gens qui défendront les textes, comme je dis, que les ébauches de cette constitution, qui quitteront des territoires vers les provinces, où on devra compiler, où on devra faire un texte, harmoniser les textes avec les autres territoires, et ces gens-là ne seront pas des bourriques, ils seront choisis à cause de leur intelligence au niveau des territoires, qui iront défendre justement leur voix au niveau des provinces. Et au niveau des provinces, il y aura encore une autre sélection. Parmi eux, ça c'est le schéma que je suis en train de proposer. Ces gens-là aussi iront maintenant au niveau des provinces, ils vont harmoniser, et au niveau des provinces, on va prendre en sorte une élite qui ira maintenant au niveau national pour discuter d'une loi fondamentale qui passera maintenant, qui prendra son propre cours, donc le référendum et tous ces procédures pour la proclamation d'un nouveau Congo. À ce moment-là, nous définirons qui peut être qui. Combien de ministères? Quel est le travail qui se fera au niveau des territoires? Parce que les responsabilités maintenant seront connues et seront claires. Aujourd'hui, dans notre constitution, mes frères amis, vous qui me suivez depuis le début, je vous ai fait voir comment il y a de la cacophonie entre la gestion des provinces et le gouvernement central. Il y a beaucoup trop de cacophonie. Imagine-toi par exemple, le gouvernement central a 60 ministres et les gouvernements provinciaux n'ont que 12 ministères. Donc tout le travail est fait à Kinshasa, au lieu que le travail devrait être fait au niveau de la base. Ça, ce sont des sujets que nous discuterons peut-être dans les autres émissions. Donc soyez donc branchés. Comme nous arrivons à la fin, merci en tout cas d'être arrivés jusque-là. Vous êtes encore là et je vais vous demander encore une chose. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Si vous aviez apprécié, laissez un commentaire. Ce sont ces commentaires-là qui nous, normalement... Ce sont ces commentaires-là qui nous permettent, par exemple, de faire ces émissions live à répondre aux questions-réponses. Voilà un peu ce que nous avions à vous dire ce matin, à réfléchir avec vous. Je pense que vous aviez aimé. Vraiment, excusez de tous ces bruits qui se font. Nous ne sommes pas dans nos studios habituels. Donc, nous devons absolument partager l'émission. Donc, merci. Et partager l'émission. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.